on n'est pas dans la logique uniquement de l'affrontement d'une gauche surannée et archaïque qui s'est appropriée le pouvoir public de manière éhontée, ce qu'incarne le PS, et entre une droite conservatrice qui ne pense que par les lois du marché, c'est le MR. Non, il y a une troisième voie, c'est le libéralisme social, c'est le fondement même de notre projet socio-économique. C'est dire qu'il faut préserver la créativité d'entreprises, notamment venant des artisans, des petites entreprises, des très petites entreprises, des indépendants. C'est eux qui créent la richesse de tissu socio-économique à Bruxelles et en Wallonie. Mais en même temps, il y a une nécessité de justice sociale. Et pour ça, il faut avoir le courage de revoir et la fiscalité et la manière de financer la sécurité sociale. Et nous disons, par exemple, en matière de fiscalité, oui, il ne faut pas avoir peur de donner des revenus supplémentaires aux plus bas et moyens salaires. Par contre, il faut avoir la volonté, peut-être, parce qu'on ne va pas raser gratis, de revoir la fiscalité immobilière et singulièrement à Bruxelles. Il n'est pas logique, par exemple, que des maisons qui ont été subdivisées, des maisons unifamiliales qui ont été subdivisées tant et plus, soient toujours avec le même revenu cadastral, alors que la recette, notamment via le loyer, que tirent les propriétaires de ces maisons est nettement plus élevée que si c'était resté une maison unifamiliale. Donc il y a des adaptations à faire.